Salutations, on se retrouve à nouveau sur Is Monstrum Nox pour la suite de notre aventure. Le chef du chantier des mines de la prison voudrait vous parler. C'est à propos du salaire des ouvriers. Comment ? Maintenant ? Dites-lui que je le rejoins tout de suite. Entendu. À propos de l'or que nous voulions importer de Celceta, il y a apparemment eu un problème de communication. Et la transaction s'est retrouvée mise en attente. Malheureusement, pendant cette période, le taux de change a brusquement chuté. Et... Dis-moi, est-ce que tu es bien conscient d'être responsable de cette mission? C'est pour cette raison que je t'ai engagé. Alors cesse de me demander des directives à tout va. Pardon. Monsieur Rich. Il s'appelle Rich, le mec. Que répondons-nous à... Merde, j'ai passé le dialogue, bah nickel. Altago ? Ah, c'est bien trop loin. Je ne peux pas me permettre de quitter le comptoir aussi longtemps sans Carla ici. Envoyez le gérant de la succursale à ma place. Et qu'il salue le prince de ma part. Ton père a l'air débordé. Oui, c'est sans doute à cause de l'absence de ma sœur. Mademoiselle Kilisha ? Oui, c'est bien elle. Comment ? Monsieur Rich. Mademoiselle Kilisha est de retour. Elle devrait pouvoir nous aider à nous sortir de cette impasse. Qu'es-tu venu faire ici ? Père. J'ai entendu dire que Carla avait été arrêtée. Dehors. Bah. Comment ? Kilisha, tout cela ne te regarde pas. Tu n'es plus qu'une vulgaire fleuriste. Ne te mêle pas de nos affaires. Ah. Arrête. Quoi ? Monsieur Rich. Enfin, votre fille est revenue. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Je ne vous ai rien demandé. その身柄の安全を確保します。報酬はアルタゴの地に咲き乱れるという純白の花セレン。希少会が扱うその種子を優待価格で下ろしてもらえませんか。ただし調査に必要な情報は提供してもらいます。自分が何を言っているか分かっているのか。実績もない貧民街の花屋をどう信用しろというのだ。信用できる相手かどうか見抜けないあなたではないはずです。何？それに今の条件なら
どう転んでもペンドルトン商会に損はありません。おっしゃる通り、当店はまだ小さなお店、ここが勝負どころだと思っています。損して得を取れですよね。相手はロムンにさえ反旗を翻した聖国騎士団だぞ。花屋のお前が一体どうするつもりだ。迷惑がかかってはいけないので、そこは秘密にさせてもらいます。この仕事は結果が全てのはずです。お嬢、すごい。キリシャ、なぜ今までそれができなかったのだ。一人で店を開いてみて分かったことがいっぱいあるの。仕入れ値一つ決めるのもお父さんやお姉ちゃんがいないとすごく不安で、でもお店を続けるには一人で真剣に考えて答えを出さないといけない。たとえ苦手なことでも簡単に逃げ出すわけにはいかないって。気がついてみると当たり前なことですごく恥ずかしいけど、私がお前の成長する機会を奪ってしまっていたというのか。それは違うよ。お父さんとお姉ちゃん二人が教えてくれたことが結びついてたどり着けたんだと思う。私一人じゃきっと無理だったよ。だからお姉ちゃんのことを放っておくなんて。カーラのことはまずロムンの守備隊に抗議した。だがベルガー監獄長が不在でな、どうにも要領を得ないのだ。え、調査に必要な情報の提供、それが取引の条件なのだろう。お父さん結局守備隊では拉致が明かず、騎士団から直接説明があってな。それによるとカーラが怪人たちと通じていたという容疑らしいが。Tu es pas tellement fou. それって。容疑の内容自体は私にとって驚きではない。たとえ本当だとしても、カーラなりに考えがあってのことだろう。それより、私に断りなくペンドルトンのものを拘束するとは、これまでの関係を考えれば、事前に連絡くらいありそうなものだ。なりふり構っていられなくなったか。それかそんなことをもう気にする必要がないのかも。そんな鉱山からの情報によれば、騎士団幹部は監獄の禁区とやらによく集まるそうだ。最近捕らえられた者はそこへ連れて行かれるという噂もある。禁区、それじゃあお姉ちゃんも。その可能性はあるだろう。カーラに関する情報は今のところはこの程度だ。お父さん、ありがとう。まったく、総督府の選挙といい、本気でロムンに反旗を翻す気か。確かにロムンは侵略者だが、以前の王家よりうまくグリアを治めている。今の状況は歴史の必然だと思うが、難しい問題だな。リッシュさん、まあ新しい情報が入ればまた知らせる。そのなんだ、あまり無茶をするな。それからお前の店なんだが、かなり奥まった場所にあって立地の面で大きく損をしている。工夫しろ。ちょっとしたことで店の印象は変わるものだ。どうすればいいかすでに教えているはずだぞ。お父さん、ありがとう。
Bah très bien. Clean. Kilisha, je suis tellement fier de toi. Pardon ? Je t'ai vu tenir tête à ton père, je n'en reviens pas. Ah oui. Moi aussi, je me suis surprise moi-même. Mais je suis contente d'avoir réussi à lui faire comprendre ce que je ressentais. Bon, où est-ce qu'on va maintenant ? Le cimetière, à l'arène, par où commencer ? Par le cimetière, Anemona doit s'y trouver. J'aimerais aller à l'arène, voir si Félix s'y trouve. Ouais, mais Anemona quand même. Adol, allons-y. Anemona, c'est quand même une d'entre nous, hein. C'est quand même une priorité prioritaire, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ah, le cimetière est loin, hein. Loin, hein. C'est loin. Quelque chose t'est revenu ?私はある少女に与えられた一体の人形でした。その家は比較的裕福ですが、ごくありふれた農家だったのです。私はその少女の人形として、彼女の健やかな成長を見守りました。繰り返される、つつましやかながら平穏な日々、そんな日がずっと続いていくものだと、私は思っていたのです。彼女がロスビータが聖女として見出され、 出征するまでは。アネモナ、行ってくるわ。必ず生きて帰ってくるから、いい子で待っててちょうだい。戦争が終わって帰ってきたら、一緒にお茶会をしましょう。それが彼女のかけてくれた最後の言葉でした。聖女ロスビータ、アネモナちゃんが。 聖女も、そのアトリレス社の最後を見て思い出したってことは、まだそこまで確信は持てません。ただもう一つだけ思い出したことがあります。彼女と別れてから時は移ろい、私はある男性と過ごしていました。私はその男性をお父様と呼んでいました。 おめでとう、アネモナ。今日は君の誕生日だよ。目を開けて、私の顔を見てごらん。その足で大地を蹴って走ってごらん。どうやら私はお父様によって魂と自我を与えられたようです。魂と自我を与えたって。 何者なんだ、そいつ。ソルシエ。それが今はそれ以上思い出せません。でもお父様は意外と近くにいる。そんな気がいたします。きっかけがあれば新たに思い出すこともあるかもしれません。アネモナさん。 Mais Adol, ne vous en faites pas pour moi. Je crois que vous souhaitez vous rendre quelque part. Je vous suis. Bien, où est-ce qu'il nous reste à aller encore ? À l'arène. Yo, fort. Bien, on y va tout de suite alors. D'ailleurs, j'ai fait les quêtes secondaires entre deux épisodes. Ah, je me reconnais !
Nous nous sommes déjà croisés dans la zone culturelle. Ah, en effet. On se retrouve ? Que vous est-il arrivé ? Vous avez l'air complètement épuisé. On peut dire ça comme ça. Je crois que je suis actuellement recherché par les chevaliers de l'ordre. Par l'ordre de la Croix étoilée ? Alors que je suis venu ici sur les ordres de l'Empire. Une véritable trahison. Fichu Châtelard. Je suis sûr que c'est lui qui est caché derrière tout ça. Mais il risquerait bien de vite le regretter, d'avoir pris le contrôle du bureau. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Hein ? Mince. Des chevaliers, je vous laisse. Qui est fort, ça, hein. Ah, pas tant que ça, hein. En fait, je m'attendais pas à tomber sur des adversaires aussi forts. Ouais, je pensais que ça allait partir sur un bon one shot des familles. Pourquoi il est 59 lui? Il brûle les priorités, le con. Genre il a pas toujours été dans le groupe. Adol a toujours été dans le groupe mais il est derrière. Nice. Ok, c'est deux dans l'arène. Deux dans l'arène, bien sûr. Dedans sa majesté. Voilà, je m'attendais plus à un truc de ce genre, voyez-vous. Un truc espèce d'été. Level à la pédesse. Oh, la puissance est augmentée. Je ne comprends pas tout, mais je prends quand même. C'est bien. Faut tout prendre, hein, gamin. Gamineux. On sait pas parler. Ah, nous voilà à l'arène. Je crois bien que tous les événements sont annulés. C'est vrai, Félix s'est fait arrêter par l'ordre. Allons poser des questions. Bien, allons-y. On va poser des questions. Bonjour monsieur, j'ai des questions, vous avez des réponses. Monsieur Fist. Excusez-moi. Excuse me. Ah, si je me souviens bien, tu es la petite amie de Félix. Oui, à ce propos, il n'est pas encore rentré depuis hier soir. Et j'ai des questions, où est-il? C'est normal, il s'est fait embarquer et envoyer en prison. Je suis navré. J'ai essayé d'intervenir et de stopper ces chevaliers, mais... La rumeur était donc vraie. Mais pourquoi? À cause de l'incident avec ce taureau fou l'autre jour à l'arène. Il aurait prétendument mis la vie en danger, des spectateurs en danger. Oui, ce qui est plutôt... vrai, mais bon. Mais c'est n'importe quoi. Ouais, tout le monde sait très bien qu'il n'est pour rien là-dedans. C'est un malentendu, ça ne fait aucun doute. Alors c'est l'ordre lui-même qui est à l'origine de ce qui s'est passé. Alors que c'est l'ordre lui-même. Ce n'est pas une excuse pour l'arrêter. Mais c'est injuste, il est accusé de quelque chose qu'il n'a pas commis. Je suis bien de ton avis. Ce qui lui est arrivé est intolérable.
J'imagine que l'ordre avait des questions à poser à ton petit copain. Je me demande si ça n'a pas un rapport avec la grande sœur de notre chat de gouttière. Un rapport avec la sœur et Félix ? Des points communs entre eux ? Il est gentil, attentionné, intelligent. Mais qu'est-ce que tu es en train de me faire dire ? Calmez-vous. Quand est-ce qu'il s'est fait arrêter ? Hier, en fin d'après-midi, la représentation du soir a été brusquement annulée. Les chevaliers de l'ordre de la Croix étoilée l'ont arrêté alors qu'il rentrait chez lui. Il avait des soldats de Romand également. Des soldats de Romand ? Ils sont donc mêlés à ça aussi ? Non, au contraire. Ils ont essayé de lui venir en aide. Ils étaient eux aussi présents lors de cet incident avec le taureau. Des soldats de Roman. Au final, il s'est fait embarquer de force. Les soldats de Roman n'avaient pas d'ordre spécifique. Ils ne pouvaient rien faire. Mais qu'est-ce que ça, tout ça peut bien vouloir dire ? Félix. Ce n'est pas le seul à s'être fait arrêter. L'inquiétude est en train de se répandre partout en ville. Alors que tout le monde pensait que les chevaliers étaient de notre côté. J'espère vraiment que Félix va revenir très vite. Félix s'est donc fait arrêter par les chevaliers de l'ordre de la Croix étoilée. Yufa. Ne t'inquiète pas pour moi. Je ne vais pas pouvoir rester ici à ne rien faire. Adol, je rentre aux dents de lion. Au moins pas de temps perdu. Bien. Je crois que nous nous sommes rendus à tous les endroits que nous voulions voir. Rentrons et discutons ensemble. Pour la suite. Entendu, allons-y. Ça a tué les deux, nice. 99, on n'a pas débloqué la nuit de Monstrum. Ce serait bien de la débloquer un petit peu là. Bien joué. C'est à l'extérieur. On va peut-être aller se la faire. Mais bon, comme c'est pas lié à l'histoire, est-ce que je la fais de mon côté ? Ou alors je la fais avec vous. On va peut-être la faire ensemble. C'est là-bas au bout. Ah, c'est loin. Ah, c'est très loin. Et je peux même pas me TP là-bas. Ni là. Bon. Faut partir de loin, apparemment. Du coup, je vais peut-être la faire de mon côté. Petite ellipse. Ah. Ah, le jeu ne veut pas que je sorte de la ville. Du coup, bon. On cancel. On va aller aux dents de lion. C'est pour ça que je ne pouvais pas me TP du coup. La rumeur sur les arrestations de la ville par l'ordre étoilé est donc vraie. Mais que manigance le commandant Châtelard ? Il n'y a cependant eu aucune activité notable des chevaliers après qu'ils se sont emparés du bureau du gouverneur.
Et ce n'est pas fait pour me rassurer. Le calme avant la tempête, sans doute. Cette accalmie aurait-elle un rapport avec toutes ces arrestations injustifiées? Pourquoi stopper brutalement leur enlèvement après tout ce qu'ils ont fait? Leur soulèvement, pardon. Que peuvent-ils avoir en tête? Hein? Pourquoi tu me regardes en me posant cette question? J'ai sans doute trop tiré au flanc ces derniers temps. Ma troupe ne me contacte même plus. Aucune nouvelle d'eux. Le commandant Châtelard. Tout le monde connaît l'importance de sa contribution durant le conflit qui a opposé Romond à Glia. Mais il haït sans doute bien plus Romond que n'importe quel autre citoyen de Glia. Ah bon? Et pourquoi cela? Je pensais que sa position était neutre dans cette histoire. Eh bien, lors de l'invasion de Romond, il n'était qu'un simple soldat protégeant Bolduc. Mais une violente confrontation a eu lieu aux portes de la ville. La brigade numéro 4, menée par le général Bordon, un membre de la famille royale, a subi une cuisante défaite durant les combats, obligeant ses hommes à abandonner le champ de bataille pour se réfugier dans Bolduc. Mais les soldats de Romond ont continué et ont massacré sans leur laisser le temps de répliquer. Oui, c'est lors de cette débâcle que les parents de Yuffa ont perdu la vie. Ah, bah t'étais au courant, non? C'est sous cette attaque éclair que des troupes de Romond que Bolduc s'est retrouvé assailli. Et c'est ainsi qu'a débuté le siège de la ville. Oui, tout le monde est au courant de cette histoire. J'étais encore petit, mais je me souviens du chaos dans lequel a été Bolduc. C'est là que tout commence pour Châtelard. La brigade numéro 4 a bloqué la ville, était bloquée dans la ville, sans aucune réserve de vivres et aux abois. Sa présence commença à provoquer de nombreux vols et troubles à l'intérieur des murs de la ville. La garnison de Châtelard ne parvenait pas à maintenir l'ordre et la paix entre les habitants et les soldats. C'est à ce moment-là que Châtelard est allé suggérer au général Bordon de mettre en place une tactique pour renverser la situation. Percer la ligne du siège durant la nuit en nombreux petits groupes. Attaquer les soldats de Roman, assiégeant la ville par derrière, puis demander à la brigade numéro 4 d'ouvrir le portail et de lancer une attaque surprise aux envahisseurs. Ça a l'air de se tenir sur le papier. Châtelard est finalement arrivé à convaincre le général Bordon ainsi que ses hommes. Sans attendre, il est parti dans la nuit avec ses hommes pour mettre en œuvre sa tactique. Ils se sont lancés avec fureur sur les soldats de Romond en les attaquant par derrière. Cependant, le portail de la ville ne s'est jamais rouvert et la brigade numéro 4 n'est jamais venue à leur aide. Bordon les a laissés se faire massacrer? Oui. Bordon avait peur, juste avant de donner l'ordre à sa brigade de charger. Les hommes de Châtelard n'avaient bien sûr aucune chance, seuls contre leurs adversaires. Ils se sont tous fait décimer en quelques instants. Mais c'est horrible. Les troupes de Bolduc étaient formées de soldats exceptionnels. Mais Châtelard les a tous perdus en quelques minutes. Je ne savais pas qu'une telle tragédie s'était produite aux portes de la ville. La famille royale de Glia fait encore taire cette histoire aujourd'hui. Elle prétend ensuite avoir prétendu... Oh, le bégaiement était insupportable. Châtelard souhaitait plus que tout que Glia reconnaisse la valeur de ses hommes tombés au combat pour leur patrie. Mais la famille royale n'a versé aucun dédommagement aux proches de victimes.
et c'est peu après qu'il a été nommé premier chevalier de l'ordre de la Croix étoilée. Je vois, c'est pour ça que Glia compte autant pour lui. D'accord, mais ce n'est pas pour autant qu'on va pouvoir le laisser agir sans rien faire. Oui, je n'ai pas l'impression que la situation soit en train de s'arranger. En effet, Adol, qu'est-ce que tu comptes faire ? Stopper les manœuvres de Châtelard. Oui, pas question de le laisser continuer. Et ta sœur ainsi que Félix sont sans doute enfermés dans la zone prohibée. En plus, et j'aimerais tirer au clair les agissements de mon père aussi. On va lui faire cracher le morceau une bonne fois pour toutes. Bien, c'est décidé. Ok, tout ça c'est bien joli, mais la zone prohibée est quasiment inaccessible. Et même avec vos pouvoirs, vous allez avoir du mal à l'atteindre. Forcément, vous y êtes entré tellement de fois aussi, ils doivent être sur leur garde maintenant. Il faudrait trouver un chemin pour y accéder sans que vous fassiez repérer. Si je ne me trompe pas, cette zone prohibée est reliée à un vieil aqueduc, non ? Ah ! Ah oui ! Oui, en effet. Il tire son eau depuis le ravin du ciel. Le ravin du ciel. C'est le ravin qui se trouve au nord-est de la ville. Oui, je vois de quoi tu parles. Nous devrions pouvoir nous servir de ce chemin pour pénétrer dans la prison. Il me semble que cet endroit est bloqué par une barrière. Nous allons devoir commencer par la faire sauter. Adol, nous partons dès à présent. Les chevaliers ont renforcé leur patrouille dans la ville. Faites attention à vous. Ok, nouvelle quête, on va la faire. Heureux, désolé pour la coupure. Alors on va faire une nuit de Greenwald, mais qui ne nous fait pas avancer dans l'histoire. Juste, c'est une nuit de Greenwald secondaire, du coup. Bon, on l'a fait quand même. J'ai fait une première quête secondaire dans la prison. Mais c'était pas très intéressant. Alors là, la difficulté est niveau 51, du coup normalement on devrait ne pas avoir de difficulté. Comme ça. Je préfère les vagues ordinaires où juste je dois tuer tant d'adversaires quoi. Mais il y en a 110, c'est pour ça que ça me paraît long. Parce qu'il y en a plein.
Le seigneur de la nuit a fait son apparition. Bon, en vrai, ça ira plus vite de tuer le seigneur de la nuit, non? Il est où? 57, je crois savoir. Il a rien pris en dégâts, c'est un peu du coup. Oh là, il y en a plus du coup là. Ah, mais ça suffit pas de tuer le. Ici, ça suffit. On se rend riche, hein, parce que c'était assez simple. On a eu une potion de force, c'est beau. Mais on débloque un chemin où je pense qu'il y a pas grand chose. Un livre, ok. Astro. On est au combien? 49, ok. Faut monter tout en haut. Ça a l'air par là. Et voilà. C'est juste pour un lieu du coup, enfin un panorama. Panorama saisissant, future place inoubliable de vos aventures. Et du coup ça ne servait qu'à ça. Très bien. Là t'as un autre panorama, mais je pense qu'on va aller à l'essentiel, on va aller là. Parce qu'en gros j'ai essayé de faire ça, le raid anti-droll. Là, bah faut que je déverrouille la zone. Du coup en fait je peux pas faire les deux quêtes qui restent. Les adversaires sont un peu énervés. On va les ignorer. Hein. Il y a quelques niveaux, on les aurait tués, mais en vrai là, on est un peu trop en retard et ils vont rien nous donner en XP. Ok. Des rats géants, tout va bien. Pierre de Cerbère. Mais non. Croc de fer. Ça doit être par là. Ok, nouvelle nuit de Greenwall. Une sphère oppressante qui tourbillonne. Ça semble dangereux. Niveau 59. Ce sera 5 vagues. Ouah, c'est long.
Protéger la tétanette. On va essayer mon gars. D'ailleurs, attendez. On a eu des objets, on va peut-être s'en servir. Non, on était au bon endroit. On a 4 machins d'attaque, on va tous les utiliser sur Adol. La défense aussi. Voilà. Le PC max, c'est pour tout le monde. En gros, c'est pour faire des ulti les PC. C'est la barre bleue. Ça balaye bien. Merde, c'était pas volontaire, mais c'est pas grave. On l'utilise direct. D'ailleurs, dites-moi si vous validez un peu les ellipses que je fais. Ou alors, est-ce que vous trouvez ça un peu chiant et vous préféreriez que ce soit tout le jeu au complet sans ellipses? Bah, en vrai, s'il n'y avait pas les ellipses, je ferais tout simplement pas de quête secondaire. Là, je l'ai fait dans mon coin, quoi. Genre, je me cache pour faire mes quêtes secondaires. Enfin, je me cache. Je l'ai fait en live, du coup, bon. Vous voulez les voir, bon, il sera trop tard quand vous verrez cette vidéo, ce let's play sera terminé, mais si vous voulez voir des quêtes secondaires, venez en live, hein, je les fais en général. Enfin, ça dépend le jeu, si vraiment les quêtes secondaires sont éclatées, je les fais pas, hein. Faut que ce soit un minimum bien quand même. T'as vraiment des jeux où les quêtes secondaires c'est 0 sur 20. Et t'as des jeux où les quêtes secondaires, bah c'est quasiment des quêtes principales quoi. Comme The Witcher 3. Par contre j'ai pas d'autres exemples. Pas d'autres exemples que The Witcher 3 quoi. D'ailleurs j'ai fait beaucoup de quêtes secondaires dans Lacrimosa of Dana, c'est pour ça qu'on a mis autant de temps à le terminer. Pas beaucoup de quêtes secondaires, non, j'en ai pas fait tant que ça. J'ai fait des quêtes secondaires mais pas spécialement des quêtes.
Raichu. Vague finale. Uchi qui s'estompe au moment où le boss pop quoi. C'est toujours des grands moments d'aventure ce genre de moment. C'est inquiétant. Heureusement, on a encore beaucoup de l'or. De l'heure, pardon, pas de l'or. Ah, l'ulti qui s'estompe encore. Faut pas attentif. Hein. Ok, il y a Killisha qui level up. Ok, bien joué. Taux de PV 34%. Ok. Pas le rang S, hein, je pense rang A. Rang A, peut-être un peu moins. Rang B+, ça m'étonnerait. Je pense rang A. Rang S, bah tant mieux, on n'aura pas besoin de le refaire. Ça fait gagner que dalle les 1000. Hein. Je crois que c'est 200 000 ou un truc du genre que je dois faire pour level up. Makasena. Voici le ravin. Quel paysage grandiose. Qui aurait cru qu'un endroit aussi beau se trouvait juste à côté de la ville? On dirait qu'il y a une rivière. En remontant le courant, on devrait arriver à l'entrée de l'aqueduc. Et de là, on devrait normalement entrer dans la zone prohibée. Nous savons ce qu'il nous reste à faire, ne perdons pas de temps. D'ailleurs, j'ai vu quelques images de Is 10, mais en vrai, ben, on verra quand il sortira en Europe. Hein. Pour l'instant, il est que au Japon. Mais j'ai vu quelques images et en vrai, le jeu a l'air tout à fait cool. Un peu court hein, comme avis, mais il a l'air cool. Après vous me connaissez, hein, je ferai certainement pas Day One. Je vais continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire jouer au jeu et me poser des questions plus tard quoi. Après ça dépend, hein. Si au moment de sa sortie j'ai très envie d'y jouer, bah je l'achèterai. Hein. Mais si je suis pas pressé, bon je l'achèterai quand il sera moins cher quoi. Genre vraiment, je suis un peu radin moi, hein, du coup bon, si on peut faire des économies, on le fait. Hein.
Le briseur. C'est comme ça que m'appelait ta femme. Il y a une époque. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette blague. Alors qu'elle est pas drôle, hein, mais. Je sais pas, je suis pas inspiré. Le briseur de couilles, hein, par contre. Ça me fait penser à un truc, quand j'étais au collège, il y a une fille qui me trouvait mignon. Et du coup on passait beaucoup de temps ensemble. Et je crois on était devenus potes et tout. Et je crois 6 mois après elle m'a dit, tu sais qu'au début je voulais sortir avec toi. Après je me suis rendu compte que t'étais un gros con, du coup moi ça s'est jamais fait. Et moi j'étais là, ah, j'ai raté un coche quoi. J'ai dû avoir un truc que j'ai foiré pendant l'histoire. Mais on est encore potes aujourd'hui, hein. Du coup c'est rigolo. On est encore potes mais ça fait 6 mois que je vais pas parler quoi. Après y'a pas besoin de parler à ses potes hein, pour enfin, je veux dire quand t'es ami avec quelqu'un y'a pas besoin de, de se parler tout le temps. Oh, moi je suis un grand solitaire, hein. Moi j'aime bien être seul. Il y a des moments quand je vois trop quelqu'un, bon, ça me saoule. Même si je l'aime bien, il y a des moments je suis là en mode bon. Il est connecté, du coup je vais me mettre en invisible histoire d'être un peu tout seul. Quoi. Après. Ça dépend. Si j'ai le courage de lui dire, je lui dis, tu vois, ouais, bon, j'aimerais bien être tout seul, quoi. Mais je pense qu'il n'y a pas que moi qui est comme ça, hein. Tu vois, moi, il y a plein de gens que j'aime bien, mais que... Mais trop, c'est trop, tu vois. En fait moi je pourrais pas faire ce que font certains youtubeurs slash streamers en mode on voit quelqu'un tous les jours. Genre je vais prendre un exemple bête, quand il y avait Bob Lennon et The Fantasio 974 qui ont fait des vidéos tous les jours ensemble pendant quelques années. Enfin peut-être pas tous les jours mais très très souvent. Et moi j'aurais pas pu en fait. Il y a des moments j'ai besoin de 3-4 jours tout seul, etc. Sans parler à personne. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'exemple de youtubeur, mais vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi que je suis pas seul, hein. Mais je sais que je suis pas seul. Je sais pas où je vais hein, dans ce pays. Hein. En fait, je suis censé aller là. Du coup, c'est par là.
Et j'imagine qu'à l'inverse aussi, hein, y a beaucoup de gens qui... Enfin, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas être seules trop longtemps, sinon ils dépriment ou je ne sais quoi. Alors que moi, littéralement, je peux passer 3 mois sans voir personne. Et, bah, je passerai des bons moments, quoi. L'augmentation de prix est vraiment énervée, hein. Des compétences. Il y a un truc aussi qui m'énerve chez certaines personnes, c'est il y a des moments, tu discutes avec quelqu'un, tu dis tu veux faire ça, il y a deux réponses, oui ou non, mais en fait il y a des gens qui arrivent à inventer une troisième réponse, c'est un discours de 30 minutes pour dire oui ou non. Dis oui ou non, c'est tout. Genre tu veux aller au resto, alors en fait la semaine dernière j'ai fait ça, et en fait, j'ai mangé une crêpe ce matin, etc, etc, et t'es là en mode, mais dis oui ou non, bordel. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc qui est énervant, je trouve. Cet endroit, ça ressemble à la prison un peu. Je crois qu'on est sorti du lac Duc. Mais alors en continuant, oui, ce chemin devrait nous emmener droit vers la zone prohibée. Et si on arrêtait de papoter et qu'on avançait un peu? Oui, désolé, allons-y. Enfin, quelqu'un qui le dit. En fait, il y a des moments, c'est vrai qu'il y a des moments dans le jeu, les persos ils s'arrêtent en mode, bah, je crois qu'on est à cet endroit, venez on arrête et on en discute pendant 2 minutes. Enfin quelqu'un qui le dit, bah on avance les gars, au lieu de discuter sur l'endroit où on pourrait être et on va vérifier directement. Moi j'ai eu un collier Amour 4. Attends. Alors il y a une grande porte, mais la porte n'a pas. Ok, my bad. J'oublie parfois que j'ai l'œil. Oula, c'est bizarre ça. Hein? Où est-ce qu'on est? Cof, cof, cof. Cette odeur est très forte. Jules, ça va? Oui, ça va. Cet endroit ressemble au laboratoire de mon père. Tout est démesuré ici. Je me suis mordu la lèvre. Je n'aurais jamais imaginé trouver un tel endroit dans une prison. Ça n'a rien à faire ici, ce n'est pas un simple laboratoire. Je me demande quel rapport... quel est le rapport entre cet endroit et l'ordre de la... L'ordre... de la Croix étoilée. On va trouver la réponse. Oui, allons-y. You
En vrai, je suis assez curieux de voir ce que Châtelard a comme objectif, parce que mine de rien, Châtelard aurait pu nous tuer depuis le début. $4,800. Ils ont créé des raptors. Oui. C'est là qu'on voit que les naufragés dans Lacrimosa of Dana étaient ultra balèzes. Parce que mine de rien, les mecs, ils n'avaient pas de pouvoir et ils dosaient des monstres anciens alors que nous on galère avec nos pouvoirs. Enfin on galère. Adol ça doit aller, mais les autres, les monstrum nox là, autres que Adol, ont l'air d'un peu galérer. On l'a vu sur le premier combat. Alors il y a eu un dialogue mais j'ai pas fait attention, j'espère que vous avez vu. Level up de S. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu le Adol 2. Ok. Les flux du diable, du coup ça augmente les PC encore une fois. Drogue d'ermite x2. Ok, non. Pas par là du coup. Non, pas lui. Ah,
D'ailleurs, attends, ça fait un moment que j'ai pas regardé les capacités. Ok, aucune capacité n'est maxée. Bousculade. Briseur d'effroi. Là, il en manque une. Bon, les autres, ça sert à rien. Je les jouerai jamais. シュビタイの部下たちに信頼されてるだけはあるのかな。貴様らのような不届き者に褒められても嬉しくないわ。己シャトラール名、この世に生き恥をさらすくらいなら、いっそのこと自ら命を絶つべきか。だがそれでは監獄長の職を与えてくださった陛下に報いることが。 ロムン帝国の皇帝とやらのことだろ。グリアを攻め滅ぼしたのもそのジジイのご意思ってわけだ。ジジイ、確か少し前に若い人に代替わりしたみたいだけどね。どうでもいい話だぜ。こら、貴様らごときがあのお方のことを研究するな。 監獄長さんをここから出してあげませんか。監獄長の役割は監獄の管理と町の治安維持だ。確かに機能してくれた方が騎士団への牽制にはなるかな。うん、町のことも心配だし。断る。え、貴様ら怪人の力を借りて ここから出るなど人生の汚点だ。監獄長が牢に入れられてる方が汚点だと思うけど。バルドゥークを守るのもあなたたちの立派な仕事でしょ。だいたいロムンの総督府だって騎士団が占拠しちまってるぜ。何？それは本当か。 Désolé, j'avais mute mon micro. On n'a pas vraiment le choix. Où est Châtelard? Normalement, il devrait se trouver juste un peu plus loin. Savez-vous ce qu'il manigance dans cette installation? Non, je ne sais pas à quoi sert cette installation lugubre. Cette zone était déjà sous son contrôle quand j'ai pris mes fonctions de directeur. J'étais intrigué, bien sûr, mais jamais je n'aurais imaginé que ce soit un lieu aussi sinistre. Tu n'as jamais entendu parler de d'une rumeur à propos des installations? Non, jamais. Seule une partie d'entre nous était au courant, de toute façon. Je voudrais bien en savoir plus, mais je dois d'abord m'occuper du bureau du gouverneur. Je dois commencer par rassembler tous mes hommes, avant de partir. Je vous suis reconnaissant de votre aide, mais je vous déconseille de vous mêler de nos affaires. Je tâcherai de m'en souvenir. Mais
C'est plutôt vous qui feriez mieux de ne pas vous mêler de nos affaires. Enfin, calmons-nous. Vous feriez mieux de vous dépêcher, non? En effet. Arigato? Je ne sais pas ce que Châtelard manigance, mais j'imagine que vous aussi, vous avez vu des choses étranges dans la prison. Soyez prudent. C'est sa manière à lui de dire merci. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci à vous et à très bientôt pour la suite de notre aventure sur Is Monstrum Nox. Au revoir.